Je m'appelle Hélène Mine, je suis artiste visuelle et enseignante aux Beaux-Arts de Sousse. Je me rappelle très bien des tubes de peinture et des odeurs de la peinture à l'huile à la maison. Ça a toujours été évident que j'allais faire ça. Enfin, quand j'étais petite, je savais que ça allait virer vers quelque chose, en tout cas du domaine de l'artistique. Et voilà, j'ai intégré par la suite l'École des Beaux-Arts. Et c'était un grand bouleversement, je pense, dans ma tête. J'ai eu la chance, en fait, d'obtenir une bourse pour faire mon master recherche en art plastique à la Sorbonne. Je me suis retrouvée à vivre toute seule à Paris et je me suis retrouvée vraiment avec moi-même. Et il fallait comprendre qui j'étais déjà, ce qui m'intéressait le plus et ce que je voulais faire après par la suite. À partir de là, je pense que ma personnalité plastique, elle commençait à se construire. Après, en rentrant en Tunisie pour commencer ma thèse de doctorat, je voulais travailler sur la nourriture, sur l'utilisation de la nourriture dans des œuvres artistiques. Ah, la bouffe, c'est évident. J'adore manger et j'aime comprendre, en fait. C'est assez magique, finalement, de préparer des plats et tout ça. Et les aliments en eux-mêmes m'intéressaient beaucoup, individuellement. Voilà, c'est parti comme ça. J'ai envie de partager mes doutes, j'ai envie de partager mes questionnements, j'ai envie d'avoir un retour. C'est beaucoup plus riche quand c'est collaboratif ou quand c'est dans le partage d'expériences. Voilà, ça donne d'autres goûts.